diversité, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Et finir à apprendre qui tu ban lettre prononcer. Tout lettre qui nous tendait, nous a écrit pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire lui. Il arrive là aussi pour qui Maurice il gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Madame, Monsieur, bienvenue dans sa première édition Lire et Créer Créole Mauricien. Une première émission qui a baissé peut proposer à côté nous pour découvrir toute l'histoire et l'évolution de la langue créole mauricienne. Alors, pour sa première émission là, je suis dans le couloir de l'Université Maurice, je suis près de la faculté sciences sociales et Kimène, à côté nous pour rencontrer surtout Dr. Arnaud Corporan, qui est aussi doyen donc faculté sciences sociales et Kimène, l'Université Maurice, et il est aussi donc président de la Creole Speaking Union. Docteur Arnaud Corporan, bonjour et merci pour vous recevoir nous aujourd'hui. Merci pour l'occasion qui peut donner à cause de l'Ocréole Mauricien. Docteur Arnaud Corporan, je peux dire dans l'introduction, il est important qu'il nous connaisse nous, l'histoire, donc l'histoire créole mauricien. Et nous avons envie de connaître avec vous aujourd'hui, qu'est-ce que ce mot créole sorti. Le terme créole, beaucoup mauriciens servili, beaucoup de djimoun servili, est livré qui. Déjà, il a beaucoup de signification, mais il est bon pour poser question de l'origine mola lui-même. Et quand nous causons l'origine mot créole, nous remonte aussi haut qu'il le latin. Il y a un verbe cria dans le latin qui veut dire produire, donner naissance, élever. Et c'est à partir de ce verbe-là qu'il y a un participe, criado, qui, en portugais, il servit un mot qui s'appelle criulo. Quand on commence la phase colonisation, et dans Cap-Vert, qui est une île qui se trouve à côté Sénégal, il y a un créole portugais qui est considéré comme étant la plus ancienne langue créole qu'il y a dans le monde. C'est un créole à base portugais. Et le terme criulo, qui servit pas pour désigner une langue là nécessairement, mais pour désigner des affaires ou des gens qui prennent naissance dans des îles colonisées. Sa même signification-là, sa même terme-là, il prolongeait une île dans une colonie espagnole, quand il vient criollo, avec plus ou moins même signification, et quand il définit un européen qui naît dans une colonie espagnole, en comparaison avec un européen qui naît l'Europe. De là, il retourne dans sa sens originel qui veut dire prendre naissance, élever, produire. Et sa même sens-là, là, il rentre dans le français. À travers le terme criole, les parents comme créole d'abord, les vins comme criole, les sont aussi dans sa désinence hispanique là, criole avec des L, ensuite criole avec un seul L, là les vins créole, là ils rentrent dans l'anglais criole, là ils évoluent même jusqu'à les vins créole, comme on écrit dans le contexte maurice avec ce cas. Donc il y a toute une évolution depuis le latin jusqu'à ce terme créole là, ce qui fait que beaucoup de linguistes considèrent une langue créole comme une langue néo-romane parce qu'il y a sa lien, sa filiation avec le latin. Mais disons que ce sens évident, c'est que c'est le terme créole est associé avec tout une quelque chose, une culture, une humaine, et qui finit prend naissance dans une île qui est colonisée par un européen entre, on nous dit, 15e siècle, deuxième partie 15e siècle, jusqu'à abolition de la colonisation européenne et abolition de l'esclavage en 19e siècle. Donc tout culture qui naît dans cette époque-là, nous rappelons culture créole quand il prend naissance dans cette colonie-là. Mais là, pour qu'il nous dise créole, nous supposons qu'il y a un mélange de deux affaires, puisque colonisation européenne est importante, besoin d'une présence l'Europe, qu'il est au niveau langage, qu'il est au niveau culturel, qu'il est au niveau l'instrument de la musique, qu'il est au niveau tenue vestimentaire, etc. Mais il y a aussi sa croisement avec les autres cultures qui trouvent imbriqués dans sa nouveau l'espace, sa nouveau environnement esclavagiste. Donc, pour un apport africain, pour un apport malgache, pour un apport indien, parce que les populations serviles qui sont sorties de cette région-là. Donc, tout ce qui est pour émerger, la musique, le Sega, donc c'est la musique créole, parce qu'il prend naissance dans sa période de colonisation-là, et sous l'effet là-même, quand il y a sa rencontre entre
la langue européenne et que ma langue servile, instrument la musique européenne qui m'a l'esclave pour transformer, pour utiliser dans d'autres façons. Le triangle, par exemple, qui pouvait être comment un instrument de percussion que nous, en Europe, il y a un instrument de mélodie. Je peux inventer un rythme, une façon de manger, une manière de causer, une manière de littérature, une proverbe, etc. Tout ça fait référence au dit qu'on nous dit créolisation. Et donc, le terme créole, quand on remonsolorise, il a ça, différentes phases d'évolution. Avec comme point de départ le latin, et ensuite le portugais, espagnol, français, anglais, et créole, etc. Alors, là, nous trouvons comment créole commence à servir. Et il y a beaucoup d'expressions aussi qui ont fini dire dans l'interview, une cause, l'urbanement, comme criolo, criolo, criole, créole, créole. Est-ce que tout ça là pareil? À l'origine, c'est pareil, parce que je tout peux faire référence avec même quelque chose. Ça veut dire, dans le contexte colonial européen, côté na esclavagiste et traite des Noirs, et na une bonne affaire qui peut émerger dans colonisation, dans colonie là, qui pas existé ni en Europe, ni en Afrique, ni dans les autres places que les esclaves sortis. Je peux prendre naissance dans colonie là, et en raison même et en conséquence même, ça rencontre entre ça des qui impose lui-même par force la culture coloniale et la culture qui sibire parce qu'il impose l'eau, une manne d'histoire et de sa croisement vertical là, tout ce qui peut émaner là-dedans, nous appelons créole, la créolisation. Criulo, parce qu'il est espagnol, c'est comme ça qu'il est causé, criulo espagnol, et non, portugais criulo, espagnol criulo, criole en français, qui pouvait une créole. Et ensuite créole en anglais, et ensuite créole en français. Donc c'est une évolution interne qui n'a plus ou moins la même signification. Par moment, il désigne un blanc qui finit dans une colonie. Par moment, il désigne un noir qui finit dans une colonie, une population esclave, par opposition avec l'esclave qui m'a importé depuis l'Afrique, ou un esclave qui prend naissance dans la colonie là, parce que deuxième génération, troisième génération esclave, ou un esclave masculin, de sexe masculin, un esclave de sexe féminin, qui gagne des enfants, qui naît esclave. Nous voyons plus un esclave créole, dans ce sens qu'ils ont été nés ici. Là, pour y a aussi et les autres affaires, un métis, par définition, les autres créoles, parce qu'ils ont été nécessairement ici. C'est du croisement entre un Européen et soit un Africain, soit un Indien, soit quelqu'un d'une autre région. Donc les populations métissées qui naissent dans sa période coloniale-là, sont de facto une population créole. C'est ce qui fait qu'ils ont dit le terme créole, il y en a plusieurs significations. Il désigne à la fois un descendant esclave, il désigne à la fois une population métissée, il désigne à la fois un dimon qui naît dans l'île. Tout ça, une définition-là, je ne suis pas en contradiction une par rapport à l'autre, je tout résoigne, mais disons, dépendant pays, dépendant contexte, dépendant l'époque, peut-être une signification pour dominer l'autre. Dans la Réunion, pratiquement tout le monde créole, Cécile aussi, Maurice pas tout le monde, Rodrigue tout le monde plus ou moins créole. Dans les autres pays, il prend différentes significations. Dans les Antilles, Caraïbes, et Martinique, Guadeloupe, il prend une signification légèrement différente, mais un dans l'autre, il pourrait dire même. Alors là, quand on peut dire créole, il reconnaît dans les autres îles, comme dans la Réunion, dans Rodrigue, mais dans Maurice, comme on peut dire, il n'est pas le cas. Nous ne connaissons pas qui faire. Maurice, il connaît une histoire de peuplement très différente de ce qu'il y en a ailleurs. C'est-à-dire, après l'abolition, il y a l'arrivée massive d'immigrants indiens, qui sont même très diversifiés, je pense aussi dans la même région, où il y a déjà la population des descendants de colons français qui étaient là, ban britanniques qui viennent après, et après j'ai un ban dimon qui sorti depuis différentes régions de l'Afrique, et puis Madagascar là aussi différentes régions, et puis l'Inde, donc les tellement diversifiées populations là, pendant un ban chinois qui viennent après, qui comment dire nécessité qui chacun définir son identité propre pour ne pas noyer dans une identité globale, une vigne plus importante dans Maurice qu'ailleurs, la Réunion. L'abolition de l'esclavage pan, amène un flot d'immigrants de même, la même ampleur qu'il y en a à Maurice, même affaires Cécile, même affaires ailleurs. Finalement, l'abolition,
Mais le système économique là, il fonctionne soit plus ou moins avec la même population, soit avec une population d'immigrants, de travailleurs engagés, qui numériquement partie aussi important, et que de patina, ça nécessité que chacun préserve sa religion. Et puis, dans Maurice, fait un fait qui est particulier, comme un Britannique vini, je pas tous français. Et dans un article, et oui, dans acte de capitulation, que de Britannique, donne garantie que c'est pas pour tous la loi, c'est pas pour tous coutume, c'est pas pour tous religion, ban habitant, pas habitant, je peux faire référence avec ban français. Et c'est assez contradictoire qui français finirait la principale langue de l'administration, de la loi et de la justice à Maurice pendant 30 ans après l'arrivée ban britannique. Ce n'est qu'en 1831 que l'administration mauricienne commence à servir anglais, et c'est 10 ans après, dans 1940, qu'il commence à servir dans la loi, et c'est après qu'il servit dans les cours de justice. Je veux dire que français et qu'anglais, c'est une cohabité dans la période britannique, et il est assez rare, parce qu'il n'est pas né dans ce phénomène-là ailleurs. Donc déjà, c'est dans des puissances en opposition. Il y a une troisième présence africaine, malgache, maintenant pour ajouter plaisir et identité indien, chinois, lui donne une telle richesse qui, quand nous, et si y a tout côté chacun puis envie qu'il soit élément qu'il tirait, le préserver, qui ça fin donne la nécessité que chacun préserve une histoire. Non, le terme créole fin reste par défaut à sa population qui lit, il pas tient à aucun attache évident ni avec l'Inde, ni avec l'Afrique, ni avec l'Europe, parce qu'il est né ici et il est là sur la tâche le plus loin possible, il retourne dans sa période d'esclavage là et il dit moi mon créole. Ma langue, c'est une langue créole. Si vous pouvez demander un créole, qui est une langue ancestrale, qui est une langue africaine, ce parent ticosé, qui est langue malga, c'est pas vous qui allez dire. Le plus loin qu'il est capable de remonter, c'est qu'ils sont ancêtres ticos créoles. D'ailleurs, c'est son ancêtre qui invente la langue là. C'est ce qu'il vous dit. Et c'est historiquement pas un mauvais postulat, puisque c'est bel et bien pendant l'esclavage que créole est né, et en raison même du fait qu'il est un esclave, pas qu'il ait un droit, pas qu'il ait l'opportunité, cause de propre langue maternelle, qui est une. Donne naissance et langue créole, et c'est pourquoi on appelle langue créole. Donc, par association, donc, on donne ce terme-là aussi à la culture qui accompagne ce groupe-là et que tout souvent pratique sur la musique. Et donc, c'est ce qui fait que Lincoln a une signification plus restrictive dans Maurice qu'il y en a dans Rodrigue, dans Cécile, dans La Réunion et Calier. Nous émission liée à écrire à créole mauricien, elle finit à Zodi, elle est consacrée à l'histoire langue créole, ce origine qui nous fait trouver datée des mots créoles qui dataient avant 15e siècle. Dans sa émission-là, nous finit aussi découvre position historique et structurelle langue créole et que sa naissance dans Maurice, liée à écrire à créole mauricien, finit ici. De nous rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission de Lire, écrire, créole mauricien. Merci pour l'attention. Au revoir.